connais, grand con. Oui, mais celui-là, c'est un gabarit exceptionnel. Si la connerie se mesurait, il servirait de maître étalon. Il serait à Sèvres. Est-ce que vous êtes enfermé, étriqué dans un système de croyance et de morale, ou est-ce que vous êtes capable de concevoir que la réalité non visible, indicible, est peut-être beaucoup plus large que les représentations que vous pouvez vous faire? Quand je fais pipi, quand je fais caca, je regarde toujours la couleur, je hume l'odeur de mon urine, je hume l'odeur de mes selles, je regarde la couleur de mes selles, je regarde la consistance de mes selles, parce que j'ai appris à décoder en fonction de la consistance, l'odeur de mes selles, si je suis en équilibre ou en déséquilibre. J'ai fait pourtant beaucoup d'émissions avec toi, mais je suis chaque fois épaté de la clarté de tes propos. Vraiment, je me suis régalé ce soir, j'ai appris des choses nouvelles. Je ne suis jamais seul avec ma solitude. J'ai rien à gagner, si ce n'est d'être fier de ce que j'accomplis actuellement au service des personnes qui n'ont pas le temps ou qui n'ont pas l'intelligence de décortiquer ces informations qui sont parfois exigeantes sur le plan intellectuel. Si la connerie se mesurait, il servirait de maître étalon. Il serait assez bon. C'est marrant que vous m'ayez reconnu tout de suite. On m'avait fait un portrait parlé. Je pouvais pas me tromper. Tout va très bien, madame la marquise. Tout va très bien, tout va très bien. J'allais dire autre chose et j'ai oublié. C'est pas grave.